Potere. Okolokte, potere. Yahweh. Kappa. À lui aller. Montez. Je me pose des questions. Ensemble, on va essayer de trouver la réponse à ces questions. Je me pose plein de questions. Je ne sais pas si c'est la malédiction ou si c'est ce qu'on appelle être possédé, si c'est une possession ou si les gens sont hypnotisés pour ne rien comprendre. Je me pose plein de questions. Quel genre de citoyens réside en Guinée? Je ne sais pas s'ils sont connectés, s'ils comprennent comment le monde évolue. Je ne sais pas, c'est quel genre de citoyens en Guinée? Non mais, je me pose plein de questions quoi. Est-ce que ça en vaut la peine de se battre pour ces citoyens-là? Est-ce que ça en vaut la peine de se sacrifier pour ses citoyens? Est-ce que ça en vaut la peine de perdre son temps pour ses citoyens qui sont en Guinée là? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine en Guinée? Est-ce que... Je me demande même quoi, si c'est des gens qui sont là-bas, qui sont conscients de ce qu'ils sont. Ce ne sont même pas les Guinéens qui plaignent le sort des Guinéens. Mais l'étranger, les Français, les Sénégalais, les Américains, même les Éthiopiens, ils plaignent notre sort. On se laisse faire par quelques individus. On se laisse martyriser par une poignée de personnes. Et personne pour lever la tête, personne pour hausser le ton, personne pour dire non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Hier, on a vu le président faire le tour des garnisons militaires, partir voir les forces de sécurité, rendre visite aux forces de sécurité. Parce que quoi? Il a peur à Gaoui. Il est pris de panique. Il a entendu des rumeurs, il a peur. Donc, il faut partir les embobiner. Il faut partir ça, pape qui, pape Aramara, n'amfima doumema. Oui, hier on a vu. 10 ans, Alpha Condé n'a pas foutu le pied dans les garnisons militaires. 10 ans, il n'a pas fait de promesses pour les militaires. 10 ans, il n'a pas doté l'armée. Même promesse de dotation, ça n'existe pas. 10 ans, il coupe les faveurs des militaires. 10 ans, il met les valeureux militaires en prison. 10 ans, il met à retraite les vrais militaires de la Guinée. 10 ans, il crée le désordre dans l'armée guinéenne. 10 ans, il recrute les donzos qui agissent au nom de l'armée guinéenne. Et c'est hier, il se réveille tout bonnement pour aller dans les camps militaires, leur promettre le bonheur, leur promettre un lendemain meilleur. Parce que quoi? Parce qu'il a peur. Parce que vous le savez, il promet, il ne réalise pas. C'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il a entendu, c'est ce qu'il faut faire. 10 ans, il n'a rien fait pour vous. C'est subitement, maintenant là, il pense à vous. Il va vous rendre visite. Moi, je croyais que c'est là-bas, mais il fallait le prendre, kidnapper. C'est là-bas, il fallait le prendre. Parce qu'il y a des militaires qui l'attendent. Mais comment ceux-ci peuvent agir?
il a dispersé des militaires. Les vrais militaires guinéens qui peuvent former l'armée, il les a tous envoyés dans des ambassades. Ils sont devenus des diplomates. On dirait que la Guinée n'a pas d'administrateur. Il vous promet des dotations maintenant. Il vous promet même des maisons maintenant là. 10 ans, vous n'avez rien eu. Vous croyez que c'est maintenant là, vous allez avoir ça. Et Allah. Et autant. Parce qu'il a peur. Il vient vous promettre au fond sur mes groupes. Alors là, c'est sérieux. Il va jusqu'à promettre des camions pour les chauffeurs, pour les militaires. Génie route, nanana. Non, on va mettre des, on va créer. Je ne sais même pas quoi. Je ne sais pas quoi. Si les militaires là même sont réglés, quoi, c'est très rare leader ou quoi. Vous avez vu, il a des donzo Amara unité spéciale formée. Ben, ceux-ci sont équipés de tout. Ils ont tout. Vous n'avez rien. Même les sacs d'Eric Kélensara compte vous donner, il a tout coupé. Il a tout coupé. Même les sacs d'Eric Kélensara compte vous donner. Il a tout coupé. Il a tout enlevé. Aodo, aura Alpha Condéra, promesse, mon aura réalisé. Vous ne pouvez pas vous lever, venir aider la population, enlever ces vieux-là ici. C'est dommage. C'est dommage pour ce pays. Les derniers remparts qui ne peuvent pas agir. C'est dommage. Inouen, ils disent ministre de la justice. Un ministre qui agit comme un bandit, un État qui agit comme des bandits. Si quelqu'un est en erreur, il ne faut pas l'attendre qu'il rentre en Guinée. Il faut aller le chercher. Il y a une coopération entre les États. Si vous savez pertinemment que des gens commettent des infractions, ils incitent les gens à la haine, allez les chercher. Il y a une coopération qu'on appelle extradition. Vous n'attendez pas que quelqu'un s'élève tout bonnement pour rendre visite à sa famille parce qu'il aime la Guinée. Est-ce que la Guinée, mais tout ça, ça va prendre fin. Quand tu parles, on dit viens, on va te mettre en prison. Alpha Condé a wala ma khandidi ana faha parce que dunia balina nara quoi. Priez Dieu pour qu'il ne meure pas. S'il meurt, tous ceux qui sont en prison vont sortir. Et le temps de se couturer, il y avait le Camboaro. Tout le monde n'est pas mort. Il y en a qui sont sortis. Mais en ce moment-là, on ne pouvait pas archiver les choses. On ne savait pas qui a fait quoi. Mais maintenant, là, la guerre de l'informatique, maintenant, là, en ce moment-là, tout est archivé. Même les maudits communicants, vous êtes archivés. Mouya Tiroura. Un jour s'élèvera où tout ça, ça va prendre, ça, on va prendre ça en compte. Tout ça, ça serait pris en compte pour vous juger, pour vous mettre dans le trou. Parce que votre avenir, votre vie, votre bonheur, tout est collé à Alpha Condé. Tout est collé à Alpha Condé. Et malheureusement pour vous, c'est un vieux qui est proche de la mort maintenant, quoi, ou de la fatigue. Chaque fois, il fait des crises cardiaques. Votre vie est attachée à Alpha Condé. À son degré de vie. Le jour que Alpha Condé va mourir là. On oula da et sarifira dira bifoura yamin kwa Alpha Condé na fara. On est sarifira. Faut leur donner de l'argent, faire les caca dans les mosquées pour que Alpha Condé ne meure pas. Le jour où il va mourir, c'est la fin pour vous aussi. Et vous n'allez pas fuir de la Guinée parce qu'on a toutes les preuves contre vous. Toutes les preuves. Ces jours, il faut avoir peur. Au temps de Sékou Touré, on ne pouvait pas garder les archives. Maintenant, là, les archives existent. C'est indélébile. On ne peut pas les effacer. Ça existe à gogo. Ça existe à gogo. Les militaires qui ne veulent pas parler là. Les militaires qui ne veulent pas se lever pour se mettre aux côtés de la population. Comme on vous dit,
si c'est quoi, la grande muraille, quelque chose comme ça, là, continue à garder ce silence. Parce que nous savons, tôt ou tard, Alpha Condé Marsiga, il va partir. Parce qu'il y a des mouvements qui viennent encore. Il y a des mouvements qui viennent. Si la Cour constitutionnelle ne dit pas la vérité, il y a des mouvements qui pointent à l'horizon. L'armée Zarzar. L'armée Zarzar. Où est-elle, dont je vais nous commander? Où est-elle, Alpha Condé Marsiga? On va vous donner des machines, on va créer des il y a des, parmi les militaires, il y en a qui ont des métiers, on va les créer des ateliers. La Guinée va dépasser, comment dirais-je, le Nigeria. La Guinée va être deuxième puissance de l'Afrique. La Guinée n'a qu'à dépasser d'abord la Sierra Leone. La Guinée n'a qu'à dépasser d'abord Gambie. On va dépasser ces gens-là d'abord. 10 ans, vous n'avez rien foutu en Guinée. Il n'y a pas de route. Ni rien. Le développement, ça commence là, la route. Je suis très déçu des militaires guinéens. Je suis très déçu. On vient vous promettre ce qu'on ne vous a pas donné pendant 10 ans. Toutes les dotations sont fermées. Ah ouais, voilà, on est bravo. Mais tout ça, ça prendra fin. C'est que tout le monde est là. Mais il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? Quand il était passé là, tous ceux qui agissaient en son nom, et puis une toronne. Aujourd'hui, ce n'est pas tous les malinqués, mais il y a quelques malinqués qui agissent au nom de tous les malinqués. Et n'a pas mané malinqué, bébé toronné. Et pourtant, ils ne sont même pas dans ça, ils bénéficient rien dans cette situation, quoi. Ça va fatiguer plein de malinqués après Alpha Condé. Pourtant, ils n'ont rien à voir avec ce pouvoir. Et les malinqués sont assis. Ils regardent des poignées de personnes qui font des exactions en leur nom. La population ne se lève pas. On ne dit rien. Un président qui vient dire que des hommes viennent, les manifestants viennent en tenue militaire, en tenue de police, pour tuer des gens. Les policiers sont payés pourquoi? Si ce n'est pas pour arrêter ces genres de personnes. Les policiers sont payés pourquoi? Si ce n'est pas pour veiller sur la sécurité. Et des manifestants, des opposants, des Guinéens en un mot. Donc, il ne peut pas travailler. Un président qui vient mentir pour des personnes qui tuent quoi. Il prétend vous défendre, mais il ne vous défend pas. Il y a des gens qui tuent pour eux, au nom des militaires. Voilà, il faut dire au président que la justice n'a qu'à parler. Si la police, au lieu de mettre des bons policiers pour qu'ils mènent des enquêtes, franchement, ils mettent des militants là-bas. Des militants qui ne peuvent rien faire, qui ne connaissent rien en matière d'enquête. Et Fabou Tongwea, est-ce qu'il y a d'Ormène, Fabou Kamara? On voulait Kassan Namirira, on voulait Kassan Namirira, on fait inventer là. Il a trop regardé Jacques Boer, quoi. Hein? Donc, c'est avec coupe-coupe, les gens font coup d'État, quoi. C'est avec coupe-coupe, les gens font coup d'État. Non, le pays là, je ne sais même pas. Et puis, si nous voulons ma soutramane, et voilà. Maintenant là, et voulait tout le monde, qui n'est pas Kassan Namirira, bang! Moi, je vais vous dire, la communauté internationale a l'épreuve. Et puis ça même, c'est honteux dans la bouche d'un président, dire les gens, les manifestants s'habillent en tenue militaire et de policiers, et puis ils rentrent parmi la foule, ils tirent sur les gens. C'est quoi le travail des policiers? C'est quoi leur travail si ce n'est pas arrêter ces genres de personnes? Qu'est-ce que vous voulez? Inouen, nan karambale kaboudi. Et vous savez ce que l'on fait, Alpha Condé ne bintoumwa gourni la mouvée Conakry. Avant les malinqués, il n'y avait pas de nom. Tous les malinqués s'appelaient Koromaninka. Et man ne bintoumwa fait dans Conakry. Et poste de responsabilité Tongo, et ce il a mérité d'arriver Diamant Fena, Kaboudi. Est-ce que le pays va avancer? C'est pourquoi la Guinée est en retard.
Ce que les gens ne comprennent pas encore, même les pays étrangers, on vous le dit, on exploite nos ressources minières, mais on ne gagne absolument rien. Même les 15% qui devaient revenir à la Guinée, ils ont trouvé des astuces pour prendre l'argent là et les mettre dans des paradis fiscaux. La Guinée ne bénéficie absolument rien des ressources minières. Les villageois ont perdu tout ce qu'ils devaient faire, agriculture, élevage, rien. Rien, absolument rien. Inouen, Mrenaïbe, et Toron, 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 et parce que Marge, et Dangira, et Degrera, Minsefani, ma mère, faut faire. Parce que ta moudara, ma sonon, sonon, et Toron, et Toron, et Nifé, et Ouen, et Tana, ma Fabé, 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 la Guinée. Je viens de quitter la Guinée. Oui, on est en train de prendre des gens qui dénoncent. Oui, je ne vais pas aller à Alpha Condé, il faut que l'on ait un show à la Royenne. Ou bien, seul une fin de guerre, l'on a un show à la Royenne. Même le prophète, paix et salut sur lui, il a fui ses ennemis. Vous êtes devenus des ennemis de la Guinée. J'ai conseillé à Madik de ne pas partir parce qu'il n'y a pas de justice en Guinée, il n'y a pas de policiers, il n'y a que des machins là-bas. Ils vont les prendre, c'est un moment. C'est un moment. Alpha Condé n'a pas mené à rien. Ou bien on a fait rien encore si. Et puis les minimalins. Il n'y aura même pas de jugement. Parce qu'ils n'ont rien fait de mal. Yomaya Kelenara. Yomaya Gere. Ce qui est un vrai kidnappé fait sa gueule. Les Souleymane Condé, le gars n'a absolument rien fait. Absolument rien. Il n'a même pas manifesté. Il est dans la circulation. Même Dieu ne veut pas ça. Vous allez aboyer avant de mourir. Vous avez trop fait de mal aux gens. Vous avez volé l'argent. Vous avez volé, volé. Et ça aussi, ça ne vous suffit pas. Ça ne vous suffit pas. Omar Doumbé, même la mosquée, vous ne respectez pas. Vous ne respectez rien. Mais ce n'est pas vous. C'est certaines personnes. Nous, nous leur disons tout. Mais ils ne comprennent pas. Quand on dit, levez-vous, on va chasser ces vieux. Ils sont assis, ils disent, c'est les peuls, c'est les peuls. Si c'est affaire de peuls là, on va voir. On va voir. Le jour où c'est Loudalé n'est pas en Guinée là, c'est ce jour, c'est la dictature. C'est la seule personne qui fait que vous respirez jusqu'à présent. Sinon, Alpha Condé bouton dans sa mobile. C'est à cause de celui-là que vous respectez. Vous avez le minimum de liberté que vous avez là. Ça, tout ça, c'est à cause de celui-là. Au lieu de le remercier, au lieu de le suivre, on a fait le foulet, foulet, foulet. On a fait le foulet, foulet, foulet. Si lui n'était pas là, là. Parce que ce régime ne respecte personne. Il sait qu'il n'est plus accepté par la communauté internationale. C'est pour préparer les choses. C'est pour formater l'esprit des militaires. Nous allons défendre notre souveraineté. Il sait que la communauté internationale est Femunana. Ils vont l'enlever de gré ou de force. Il sait. C'est pour préparer l'esprit des militaires. Les militaires, nous vous interpellons. Ne suivez pas Alpha Condé. Si vous, vous ne pouvez pas l'enlever, la communauté internationale prépare quelque chose pour l'enlever. Restez tranquille, restez dans vos cachettes. Il sait très bien la manière dont il est venu au pouvoir. C'est de cette même manière-là. Les gens qui l'ont envoyé au pouvoir là, veulent l'enlever. C'est ce qu'il a compris. C'est pourquoi il est parti dans des garnisons militaires. Et il sera enlevé, il sait. Et vous le savez très bien. C'est ce qu'il a compris. Vous avez vu le cas de Kabila, son garde-corps personnel. Vous avez vu le cas de Dadis, son homme de confiance, son homme de main.
Tout ça, c'est préparé par la communauté internationale. C'est ce qu'il a compris. Il sait très bien, si ces signes ne sont pas pour toi, tu es fini, c'est foutu. Ne le suivez pas. Les promesses là, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Alpha Condé va partir cette année. La communauté internationale, souvent c'est au mois de décembre là. Ils agissent au mois de décembre. Emre Ounibou Manane, il a compris. Kabila, c'est au mois de décembre. Il a dit c'est au mois de décembre. Si c'est novembre, hein. Novembre, décembre. Et Ounibou Manane. Donc Alpha Condé à Colomb, il y a un danger permanent qui est autour de lui. Il le sait très bien. Il sait très bien qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il le sait. Donc, il veut à nickel manalonere qui est dégât. Les militaires, où était sou, où se roule. Amoussé se fang oma, amamoufama, c'est se fang neoma. Nyarina, la foye nan tout nade. Foye nan tout nade. En aval de nanemou, il réalisera jamais. En tout cas, nous sommes en novembre là. Après demain, c'est novembre qui commence. Communauté internationale, c'est fin d'année. Et menge ou ni boum manane. Alpha Condé, a fallera ou retourner à l'air ou ni bé. Parce que, moutan, tu sais très bien, il y a Colomb. Comment les gens là sont, tu le sais. Tu le sais très bien. Bago aska moua mounouna, et ba moua mounouna. C'est pas fin d'année. C'est pas fin d'année, ils ont enlevé Bagbo. C'est pas fin d'année, ils ont tué Robert Gay. La communauté internationale là. Je secret en train de faire des choses. En tout cas, je suis en train de faire des choses.